Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une recette qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une recette que j'ai pas mangée depuis à peu près 9 ans. C'est une recette très simple que notre mère nous faisait quand on était toute petite et vraiment, sérieusement, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. J'ai décidé de partir sur des sardines bretonnes. Il faut savoir qu'elles sont trop petites. Je m'en suis rendu compte bien après. Mais bon, si vous avez la possibilité d'en acheter des plus grosses, n'hésitez pas. Parce que là, la chair était beaucoup trop petite. Mais bon, la recette est là quand même. Ne découpez surtout pas jusqu'au bout. Vous allez juste venir découper jusqu'à ce que votre couteau soit à la limite de l'arête. Vous appuyez un peu sur votre poisson comme ceci. Faites attention à ne pas déchirer la chair, mais bon, au cas où ça vous arrive, ce qui est fort probable, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution et il y a toujours une solution. Pour les personnes qui s'inquiéteraient par rapport aux arêtes, tout ça, ne vous inquiétez surtout pas. Une fois dans l'huile, ces arêtes ne vont plus du tout vous gêner, vous n'allez pas les sentir en fait. Vous pouvez conserver vos arêtes préalablement bien lavées, évidemment. Vous pouvez les conserver pour faire des petits bouillons. On prépare ensuite notre assaisonnement. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de bouillon de volaille et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère de piment. Vous pouvez tout à fait sauter cette étape si vous ne mangez pas de piment, bien évidemment. Cette étape est très délicate, donc en tout cas, n'hésitez pas à prendre tout votre temps pour bien réaliser vos rouleaux. La solution dont je vous parlais, c'est celle-là. Vous pouvez tout à fait diviser votre poisson en deux. Ce n'est pas le genre de problème que vous allez avoir si vos sardines sont assez énormes. Mettez tout ça dans de l'huile et puis c'est parti pour 5 minutes de cuisson. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a donné de nouvelles idées de recettes. Je vous fais d'énormes bisous et puis surtout, n'hésitez pas à retirer les cure-dents quand vous allez servir tout ça à vos invités. Voilà, si vous êtes chez vous et que vous mangez, vous pouvez les enlever en mangeant, mais bon, vaut mieux faire attention pour vos invités. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo très spéciale.